C'est à 14h que l'avion de son Altesse royale, la princesse Lala Salma, épouse du roi Mohamed VI du Maroc, s'est immobilisé sur le tarmac de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Au bas de l'échelle de coupé pour l'accueillir, la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara. La princesse Lala Salma du Maroc est l'invitée d'honneur de Madame Dominique Ouattara au Cabaret du Cœur, le dîner gala de charité de la Fondation Children of Africa. Objectif visé, l'équipement de l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville à hauteur de 3 milliards de francs CFA. C'est donc à juste titre que les populations se sont fortement mobilisées pour réserver un accueil des plus chaleureux à l'épouse du roi Mohamed VI. L'occasion aussi de magnifier l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et le Royaume du Maroc. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, et la princesse Lala Salma n'ont pas hésité à prendre un bain de foule pour communier avec toutes ces communautés qui ont effectué le déplacement pour venir dire à Kwaba à son Altesse royale Lala Salma. Le Cabaret du Cœur, dîner gala de charité de la Fondation Children of Africa, se tient ce vendredi 14 mars au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire.